Immaginate un mondo dove l'agricoltura non utilizza prodotti dannosi per l'ambiente e la salute. Un mondo dove il cibo che mangiamo non rischia di essere contaminato da prodotti chimici pericolosi. In Svizzera, molto presto, tutto ciò potrebbe diventare realtà. Un gruppo di cittadini ha proposto un referendum propositivo per eliminare su tutto il territorio nazionale l'utilizzo dei pesticidi di sintesi, prevedendo però allo stesso modo che non sia possibile l'importazione di prodotti coltivati con queste sostanze. E per questo obiettivo ambizioso si sono dati un tempo, 10 anni, per investire in ricerca e rivoluzionare l'agricoltura. Il Movimento 5 Stelle ha incontrato a Neuchâtel, nella Svizzera francese, un cittadino del comitato promotore del referendum. Dans les textes du référendum, c'est pas un référendum, c'est une initiative. Pour nous l'initiative, elle nous demande quelque chose, elle nous propose une solution globale sur tout le territoire suisse. De pouvoir travailler sans pesticides de synthèse. Ça, c'est le premier acte. Le deuxième, c'est de gérer les importations face aux pesticides de synthèse, qu'elles respectent les mêmes critères. Et ça, c'est le point de vue du comité. C'est que la simplicité de notre initiative, c'est sa force de réussite. C'est qu'on n'a pas été chercher trop large, on a été chercher ce qu'on pense être essentiel, c'est le cœur du problème. Et c'est vrai, comme vous disiez avant, que ce cœur du problème touche certains lobbies, touche une habitude de travail, que ce soit en Suisse, mais la même chose en Europe. Et on connaît très bien les acteurs de ce genre de projet. Et aujourd'hui, il faut que le monde économique et politique se rende compte qu'on va dans le mur de toute façon avec ce genre de pratique. On n'y arrive plus. Donc l'important, il n'est pas de savoir si on doit réduire ou si on doit diminuer ou si on doit faire... L'important, il est de trouver une solution, de changer et de faire confiance à une autre voie. Donc il est important de prendre ce virage maintenant. Pourquoi maintenant? C'est parce qu'aujourd'hui, on sait qu'on le peut. Si tratta di una proposta rivoluzionaria, perché con la gestione dell'agricoltura noi ci giochiamo una partita fondamentale, il controllo del cibo. E se vogliamo davvero vincere questa battaglia, dobbiamo togliere l'agricoltura dalla chimica, dalla speculazione e restituirla agli agricoltori. Il paesano il doit retrouver sa place. Je conçois che per certains paysans, notre initiative. Elle n'est pas une vision qui va dans leur sens. Alors que nous, on fait cette initiative par le plus grand des respects qu'on a pour l'agriculture et le paysan. Aujourd'hui en Suisse, il y a de plus en plus de paysans qui se suicident. Il y a de plus en plus de regroupements de paysans qui font que beaucoup de familles de paysans perdent leurs terres. C'est quelque chose pour nous dans lequel, qui va à l'envers de ce que doit être l'agriculture. Nous, on veut redonner du respect à l'agriculteur. On veut que l'agriculteur, on lui montre que sa façon de produire nous intéresse. Le fait qu'il soit quelqu'un de central, c'est lui qui nous donne à manger tous les jours. On est fou de plus avoir du respect pour lui. I cittadini svizzeri possono proporre questa vera e propria nuova rivoluzione verde dell'agricoltura grazie allo strumento del referendum propositivo, che è uno strumento che in Italia non esiste, non c'è ancora. Questo dimostra che, come noi del Movimento 5 Stelle diciamo da sempre, quando ci sono degli strumenti di democrazia diretta, come appunto il referendum propositivo, i cittadini possono costruire in prima persona una società diversa, più sostenibile e più sana.